Allez, salut, merci d'être fidèle au talk show du FosséM.fr, en partenariat bien évidemment avec LCM. Allez, ce soir autour de la table pour débriefer cette nouvelle défaite, la troisième en Ligue 1 de l'Olympique de Marseille. Christophe Champy est avec nous, titulaire indiscutable. Salut Christophe. Sur le côté gauche, salut. Sur le côté gauche, ça, c'est toi qui le dis, je te laisse te placer. Sur le principe que tu joues libéraux, je suis plutôt à gauche. Ah d'accord, donc je suis libéraux, Romain. À l'ancienne, quoi, libéraux. À l'ancienne, exactement. Romain Canucci est là également, salut. Donc, sur le côté gauche, mais un peu plus près du banc de touche, hein, fatalement. Comme Morel. Je suis libéraux. Voilà. Comme Morel. Allez, Maxence Volpe. Voilà. Tiens, je veux pas le rôle d'un mafitano en ce moment. Notre analyste est là, Michel Tolmini, le président des Yankees, là aussi. Merci Michel d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Avec plaisir, j'ai le 33 dans le dos aujourd'hui. Donc voilà. Hein. Le maillot stagiaire. Le fameux maillot. On essaye d'inviter tous les groupes de supporters, donc après les Dodgers, les Winners, les Yankees nous font l'honneur et le plaisir d'être avec nous. Allez messieurs, on va revenir encore une fois, je le répète, sur cette défaite de l'Olympique de Marseille. Je me tourne vers Michel, est-ce que l'on pouvait imaginer en fait un autre scénario que cette rencontre quand on savait l'effectif qu'Elibop avait à disposition? On pouvait espérer le 0-0, la première mi-temps ça s'est dessiné correctement, mais en deuxième mi-temps, on a vu que de temps en temps, les oublis, ça coûte cher qu'on ne peut pas les réparer. Parce que hier, c'est sûr qu'on ne pouvait rien réparer du tout. Max, est-ce qu'au final, on n'a pas vu un match auquel on pouvait s'attendre lorsqu'on voit le peu d'attaquants dont l'Ibop, l'entraîneur marseillais, disposait? Est-ce que ce n'est pas logique au final d'avoir vu cette rencontre très fermée et avec vraiment très peu d'actions à accréditer aux côtés de l'OM? Ouais, c'est assez logique, tu as raison, mais... Ce qui m'embête une fois de plus, c'est que le peu d'occasions qu'on a, c'est-à-dire la seule, on n'est même pas capable de la mettre au fond. Quoi. Donc, parce qu'on sait qu'en foot, ça peut tout changer. Contre Nice, on a pléthore d'occasions. On ne tue pas le match en première mi-temps, on le paye. Là, pareil, si Andrayou il marque, ça peut changer complètement le cours du match. On ne sait pas après comment ça serait déroulé. Ben, tu marques encore pas. Et puis, par contre, eux, je me rappelle pas qu'ils aient eu beaucoup d'occasions, c'est même une demi-occasion qu'ils ont, et eux par contre ils marquent. Voilà, bon, ben, c'est le ballon, c'est comme ça, et en ce moment il n'y a rien qui nous sourit. Mais c'est vrai qu'après tu as du mal parce que tu sais que tu ne pourras pas revenir parce que tu n'as plus d'attaquant et puis tu as Valbuena qui sort, donc le match il est plié. Quoi. Ouais, même regard. Je rejoins ce que dit Michel, on savait qu'on ne pouvait pas réparer nos erreurs. On le savait dès le départ. Donc, pourquoi en commettre? C'est ça aussi le truc. Moi, c'est ce qui me dérange terriblement. Pourquoi les Olympiques commettent-ils des erreurs? Tu fais 45 minutes satisfaisantes. Et pour moi, tu vas chercher un 0-0 à Bordeaux, c'est très bien. Et c'était ce qui se dessinait. C'est sûr que c'était pas très bien pour les spectateurs et téléspectateurs. Le match du dimanche soir. Parce que le match était une horreur. Canal, il devait tirer la gueule. Mais on s'en fout. Au vu de la situation, 0-0 à Bordeaux, on signe. De toute façon, c'est pas là nos points. C'est pas de gagner tous les matchs. Nos points, c'est d'être sur le podium à la fin de saison. La Ligue 1 est ainsi faite que si tu fais grosso modo le plein à domicile, on a quand même des chances. Donc prends ton point du match nul à Bordeaux et c'est parfait. Et là le problème c'est que on a une équipe qui a bien tenu t'es bien en place comme on aime le dire en première période et puis qui s'est arrêté qui s'est arrêté en seconde, même pas parce qu'ils se sont mis soudainement à y croire et à se dire qu'ils peuvent gagner, ils se sont arrêtés parce qu'ils se sont arrêtés. Vous avez eu ce sentiment vous aussi Chris, tu as eu ce sentiment que l'équipe s'est arrêtée en deuxième période? Non, oui, enfin c'est le même sentiment depuis pas loin d'une dizaine de matchs, c'est-à-dire une mi-temps correcte, parfois très bonne même. En l'occurrence là pas à Bordeaux mais une bonne mi-temps, une mauvaise, c'est un petit peu le tarif en ce moment pour l'Olympique de Marseille. C'est vrai qu'on vendange beaucoup d'occasions, on n'en a pas eu beaucoup mais on l'a pas mise comme l'a dit Max. C'est vrai aussi que le beau plan c'était de venir chercher un 0-0 parce qu'à Bordeaux on sait qu'on gagne jamais de toute façon, donc un point à Bordeaux c'est une excellente opération. Malheureusement, contrairement aux années précédentes, on n'a pas à mon avis l'équipe pour aller chercher un 0-0. Tu vois, que ce soit à Bordeaux, à Lyon, à Paris, on n'a pas une équipe de costauds, on n'a plus les, même s'ils n'ont pas spécialement flambé, mais tu sais, les Mbia, Diarra, Anze, enfin tous ces guerriers sur lesquels on pouvait compter pour aller chercher ne pas prendre de but en tous les cas, ça on ne l'a plus. Donc quand on n'a pas d'avant-centre, quand on a un milieu qui commence à être un peu usé, parce que je pense qu'on va en parler du physique, mais les Marseillais physiquement vraiment baissent le pied depuis pas mal de matchs. Et qu'en plus on a une défense qui est
qui change à chaque match quasiment et qui n'a pas la solidité des défenses précédentes, ça fait que c'est compliqué d'aller chercher un résultat. Moi, je peux quand même pas te laisser dire ça, Chris, dans mais le sens pas, où... Non, mais je te le laisse pas, parce que tu parles justement de Tolly, ça. Quand je regarde la charnière, c'était Souleymane Diawara, Nicolas Nkoulou. Mais d'accord, mais il n'y a pas que la charnière. Il correspond. Il n'y a pas que la charnière. Et puis, il faut regarder les deux demi-défensifs aussi. Les deux demi-défensifs. On n'a pas l'impact. Et sur les ailes, ça compte aussi. Hein, sur ça, on est d'accord. Mais sur les ailes, en première donc période. On n'a pas du tout l'impact qu'on pouvait avoir avant. Sur les ailes, le boulot était fait en première période. On a vu Amorel qui était appliqué dans ce rôle-là et Amalfitano. Ouais. Pareil, quand c'était parce qu'en face, c'était très Moulinas. Je parle des latéraux, les arrière-latéraux. Oui, bon, bah, il s'apparentait à des centraux, notamment Mendes. Ouais. Mais Diawara Nkoulou, enfin, quand on voit Nkoulou devant. Sur le but de coup franc, on peut pas se dire l'OM n'a ça, plus. Ça arrive de se faire défendre. C'est que ouais. C'est au premier poteau, c'est le principe. C'est qu'il est moins. Ouais, voilà, il est moins en dedans. C'est là, on peut pointer le. On peut pas se dire l'OM a des manques dans son effectif. C'est juste qu'il y a des joueurs qui sont. Alors, il a porté la défense à bout de bras depuis le début de la saison, du coup. Donc c'est normal qu'il flanche un peu. Vous faites la différence quand même entre la première mi-temps et la seconde mi-temps. On a l'impression qu'on a eu un bon OM en première mi-temps. Non. Moi, c'est surtout j'aurais envie de dire. On a vu un OM moyenne tout le match, et peut-être de temps en temps il faut se tourner un peu vers l'adversaire aussi. Bordeaux, ils étaient nuls en première mi-temps, ils ont fait un match pourri. Et par contre, en deuxième mi-temps, ils ont élevé un tout petit peu leur niveau de jeu, ça suffit pour nous dépasser. En ce moment, on n'est pas bon. Alors, quoi. Par rapport à ce que tu dis, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que l'Olympique de Marseille, les joueurs de l'Olympique de Marseille, Michel, n'ont pas conscience qu'ils ne sont pas forcément des stars quand on voit l'attaquant du PSG, un certain Zlatan, c'est ça, Ibrahimovic, qui marche tout le long de la rencontre, mais qui marque des buts extraordinaires, on peut comprendre pourquoi il marche. Quand on n'a pas ce talent-là, on doit se défoncer sur un terrain. J'ai pas l'impression que les Olympiens mouillent plus que ça par moment le maillot. On ne peut pas comparer. De toute façon, Zlatan, c'est un autre monde. Il n'a rien à foutre dans le championnat de France, de toute façon, celui-là. Mais, c'est sûr. Mais non, mais le championnat de France, c'est pourri, tout simplement. Bordeaux. L'équipe de bras cassés qu'on avait hier, j'ai pas senti qu'on était moins fort qu'eux, au contraire, ils ont marqué un but parce que il y a Trémoulinas qui a réussi un centre dans le match et leur avant-centre qui a réussi à glisser son pied devant Nkoulou. Le but est pas mal, le but est beau. Ouais, Mandanda, Tirato de Trémoulinas. Si au lieu de se laisser tomber comme une espèce de kaki qui tombe de l'arbre, il avait un peu plongé sur le ballon, peut-être qu'il n'y aurait pas eu but non plus. C'est le gardien international qu'il est, normalement, c'est lui qui doit rapporter les points. Là, franchement, il a servi à rien. Mais un ballon coupé au premier, c'est toujours dur de l'arrêter quand même. Ouais, ça en forme, on va en parler dans la deuxième partie de Steve Mandanda, parce que je pense que ça mérite un focus au vu de ses prestations actuelles. Vous le savez, cette émission est connectée. Vous pouvez poser vos questions. Clio est aux commandes. Elle me relaie les meilleures. Et Wheezy Baby nous en pose une. Elle nous dit, lorsque je vois le nombre de ballons perdus par Caboret et Chéroux ainsi qu'Amalfitano, ça fait peur. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose par rapport à ça, Max, notamment Morgan Amalfitano, le mettre un petit peu sur le banc? Toujours pareil, on va dire, pour mettre qui à la place. Il va s'y mettre automatiquement, là, parce qu'il est, il est suspendu, donc... Il va manquer deux matchs. Après, c'est vrai que, c'est... Parce que Caboret, Chéroux, il a tout manqué hier. Ouais. Et il est en train de baisser pied. Il est en train de faire pied réellement. Caboret, à sa place. Le problème, c'est que si on sort Chéroux... Là, il y a Barton. Mais là, ça y est, il doit pouvoir rentrer. On attend Barton. Chose à laquelle on attend quelque chose qui c'est peut apporter voilà, un peu c'est quelque chose du gros, je te dis pas là, bien sûr, mais là au moins je suis quand même stupéfait, je pense que je peux employer ce terme là parce que je suis stupéfait pour le coup. C'est qu'un jeune, même si c'est un jeune, même s'il n'a pas toutes les qualités du monde, tel qu'Abdoulah, on avait dit depuis le début de la saison, il a été propre, il a été correct, il a fait des prestations acceptables. Or, ce jeune est sorti à un moment donné comme tout un chacun de sortir, c'était sur blessure, non. Et depuis il n'a plus aucune confiance. Faudrait demander une explication à Bob. Parce qu'il y a peut-être quelque chose. Hein. Il a peut-être une baisse d'origine. Le petit Abdoulah, il a peut-être pris le cigare. Il a été blessé, comme tu dis. Parce peut-être qu'on qu'à l'entraînement, il n'est pas revenu au niveau pour l'instant. Voilà, comme dit Chris, ça, il n'y a que Bob qui peut nous dire. Ça, faudrait poser la question. C'est une question de rythme, Marc. C'est une question de statut. Il y a une question. Mais il y a les deux. Je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire que c'est une question de rythme au départ parce qu'il a manqué certains matchs pour cause de blessure. Puis derrière,
de se dire est-ce que je retitularise ce jeune qui n'a plus joué depuis 3, 4, 5 matchs par rapport à ma paire de titulaires qui logiquement doit être confirmée et surtout pas, on va dire, essayer de les enfoncer. On a vu, regarde l'année dernière, combien de temps Deschamps a soutenu Morel avant de passer à Spi à gauche. Mais est-ce que c'est une bonne chose, Michel? Est-ce que tu es étonné, toi, de ne pas voir le jeune Abdoulah, ou non, au final, il faut arrêter avec Abdoulah parce qu'il n'est pas plus fort que notre? Non, moi, ce qui me désole, c'est qu'on l'avait tous constaté, que ce soit les grands spécialistes du football ou les supporters lambda, que l'effectif était trop juste. Et on s'était tous dit que quand allaient arriver les premières blessures, les premières méformes et les deux ou trois suspendus, on serait 11 sur le terrain sans bande de touche. Ben, c'est arrivé beaucoup plus tôt que prévu. Je pensais que ça arriverait au moment de la CAN, ben, ça arrive en novembre. On peut vraiment s'inquiéter, très réellement s'inquiéter pour le mois de janvier. Même si concernant les attaquants hier, ce sont des circonstances exceptionnelles. Parce qu'on a quand même trois attaquants internationaux, hein, Jordan Ayew, Rémy et Gignac. Peu d'équipes peuvent se targuer d'avoir le même effectif devant, hein, hormis Paris évidemment, ou Lyon ou Lille. Mais là, ils étaient blessés les trois en même temps. Enfin, blessés ou suspendus. C'est vraiment un peu la faute à pas de chance aussi. Après, globalement, comme dit Lionel, c'est sûr qu'on a un effectif très réduit. Tant pour moi, ça ne doit pas être la première fois qu'on le fait. Mais ça sera la dernière. Mais c'est vrai qu'au milieu de terrain, bon, là, par contre, tu manques vraiment de profondeur devant. En revanche, devant, je le répète, c'est vraiment exceptionnel. Allez, beaucoup de questions sur Apruz 16. Je prononce bien, c'est ça, Apruz 16? Sans doute. Apruz 16. Bon, ce joueur de Consola qui est rentré hier avec l'Olympique de Marseille. Ouais, oui, maintenant, qui jouait l'an dernier à Consola. Qui joue aujourd'hui avec l'OM, qui est un joueur amateur. Bob, a-t-il flingué Raspentino au passage? Ben, on en parle juste après la page de pub. À tout de suite.